Hey, salut tout le monde, c'est Tonton, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Oui, donc alors c'est sur la map construction d'une base militaire. Donc alors là vous voyez, en même temps j'en profite pour vous montrer, j'ai fait le dépôt pour la locomotive. Donc j'ai fait quoi de beau aussi, j'ai agrandi la route, ça c'était là-bas, c'était dans le dernier épisode. J'ai encore fait quoi? Bref, j'ai fait plein de trucs au niveau de l'usine, mais bon, flemme d'aller voir. Et puis même, ça va prendre du temps pour rien. Donc, aujourd'hui, petit tuto sur la BR-56, célèbre locomotive allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, alors, pour ça, on va rapidement commencer avec la locomotive. Enfin, d'abord, je vais vous faire un petit aperçu de la locomotive en finale. Donc, alors, cherchez pas, c'est... Non, j'ai pas directement pris sur Planet Minecraft. Non, celle-là, c'est bien moi qui l'ai faite. Tout seul. Donc alors pour ça on va commencer, et j'ai des petits coups de chaleur, va savoir pourquoi, avec on va prendre des blocs déjà de 1, ce serait bien. Donc de la laine rouge, la musique qui me déconcentre bien sûr, des dalles en pierre, des dalles en briques, comme de par hasard j'aurais... Attends, c'est des dalles en pierre ça? Oui. Ah bah tiens. Des parties en bois de chêne noir et des barrières en bois de chêne noir. Donc on va commencer tout de suite par les bogies, c'est-à-dire les roues qu'il y a sur les trains. Donc alors, déjà de l'un, j'ai oublié de préciser, les rails c'est un bloc de dalles de bois de sapin ou peu importe, le temps que c'est du bois. Deux enclumes de chaque côté et... Attendez, je me gratte parce que là ça gratte vraiment. Et deux autres dalles de votre bois pour faire les traverses et les rails. Donc, vous allez poser un bloc. Vous allez espacer de 1, 2, 3. Vous allez mettre deux blocs. Vous allez espacer d'un. Vous allez réespacer. Enfin, vous allez rajouter deux blocs. On espace d'un, on rajoute deux blocs. On espace d'un, on rajoute deux blocs. On espace d'un et on rajoute deux blocs. Ensuite, on espace de 2 blocs, on rajoute un bloc de laine rouge. On espace de 3 blocs, on rajoute un bloc. On espace d'un, un bloc. On espace d'un, un bloc. Non, ça c'est un fail. On espace d'un et encore un bloc. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, les amis, bien sûr, on n'oublie pas de l'autre côté. Sinon, on va y avoir un petit problème technique. Hop hop, je me dépêche. Voilà. Ensuite, dès qu'on a fait ça, on vient relier le tout avec des dalles de briques. On a bien sûr à l'avant faire dépasser d'un. À l'arrière. Et on va jusque l'arrière avec nos dalles de briques en position haute. Donc à l'arrière vous faites dépasser d'un, c'est pareil. Sauf que là vous allez de deux sur les côtés comme ceci. Et vous entourez votre bloc de laine rouge par des dalles de briques, comme ceci. Et à l'avant, on met juste deux dalles de chaque côté, comme ceci, voilà. Ensuite, vous mettez une dalle de pierre ici au milieu, à l'avant. Vous faites pareil à l'arrière. Ensuite, ici, vous allez mettre trois dalles comme ceci. Les escaliers en briques. Bizarrement, ceux-là, je les ai oubliés. Attendez, hop, les. Ça, c'était un tuto. Pas un tuto, mais c'est un épisode qui a foiré. Donc, du coup, RT. Donc, alors, ici, vous allez mettre un escalier, une dalle. 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 Voilà.
Ici, vous faites pareil. Comme ça. Hop, 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 hop. Ici, vous mettez 3 dalles comme ceci à l'arrière. Vous mettez... En fait, vous remplissez au milieu. Voilà, comme ça. Ça va faire plus... Ça va être plus simple. Plus simple à comprendre en même temps. Ici, vous mettez au milieu, comme d'habitude, vous mettez une dalle en pierre. Et ici, vous venez mettre 2 portillons comme ceci. Hop. Et j'ai notamment oublié mettre lamentablement les trappes qui sont à l'arrière. Comme ceci, pour faire les tampons. Ensuite, ici, vous avez 2 portillons. Alors, pourquoi... Ah, ok. 2 portillons ici. Oh, le bouton, il est où? Un bouton ici. Un autre ici. Vous mettez une barrière. 2 portillons. Une barrière, 2 portillons. Une barrière, 2 portillons. Une barrière, 2... Non, un portillon, pardon. Une barrière, un portillon et un... une barrière. Voilà. Ensuite, ici, vous allez mettre une dalle en pierre position haute. J'essaye de me dépêcher pour faire ça le plus rapidement possible. Donc ici, 2 boutons. Zut. Pas ici. Les 2 portillons à l'avant. Une trappe pour faire le tampon. Et là, c'est reparti pour un tour. Tac, tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Oula, un petit coup de lag. Excusez-moi, il y a un petit coup de trop de mode pour mon PC, soi-disant. Dans le machin, j'ai une 1070 dans le capot, sous le capot, mais bon. Réussi qu'aura lagué. Enfin, en même temps, faut dire que c'est pas des petits mods que j'ai. Ensuite, nous allons prendre la solution radicale des blocs de briques. Bloc de briques, laine rouge, ouais, ouais, ouais. Et laine noire. Non, laine noire, j'en ai caché, il y en a ici. Donc alors, on va commencer vers l'avant, comme d'habitude. On va mettre 5 dalles de briques comme ceci, un escalier de briques au milieu des deux bogies à l'avant. Ici, vous allez remplir... Non, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah non. Vous allez remplir comme ceci. Non, donc ici, c'est certainement des dalles. Faudrait que je vois... Ouais, c'est des dalles en position haute. Ici, vous mettez des dalles en position haute. Voilà. Non, et là, c'est un bloc de briques. Ici, des escaliers entre vos roues, entre vos bogies, pardon. J'ai déjà perdu le vocabulaire. Bien sûr, les bogies, vous faites des carrés de 2 par 2. J'ai oublié de préciser ça. Comme ça, voilà. Ensuite, je me fais avoir ces... C'est quoi ici? Ah. Et des escaliers en briques, un bloc vers l'avant, aux bougies. Aux bogies, pardon. Ici, 3 briques comme ceci. Enfin, vous venez combler ici, voilà. Ouf. Allez, je vais peut-être réussir à faire la vidéo. Ici, vous mettez au-dessus de la dalle en pierre, vous mettez un bloc de laine noire. Ici, vous faites pareil. Ici, vous mettez une barrière au niveau du bloc de laine noire, un portillon, une barrière. Bref, vous refaites l'étape qui est juste en dessous. Sauf qu'à partir où est-ce qu'il y a 2 portillons, là, vous arrêtez. Hop, les boutons. Vous mettez des boutons sur les roues, comme ceci, voilà. Nice.
Ici, on met des escaliers. Ici, je refais rapidement pareil que de l'autre côté. Hop, je sneak et en même temps, je pose ça. Ensuite, des blocs comme ceci. Les escaliers, où est-ce qu'ils sont? Là. Donc, vous mettez un escalier comme ceci. On fait pareil également de l'autre côté. J'ai pas mes dalles là, si. Non. Vous mettez une dalle en position haute. Vous faites pareil ici. Désolé. Désolé pour les lags. Vous mettez un escalier comme ceci. Là, si vous mettez un bloc de bouse, bref, tout ce qui vous passe sous la main, vous mettez un escalier comme ceci. Celui-là, vous le dégagez. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ici, on pose deux escaliers comme ça. Et une dalle. Ici, on pose des blocs. Voilà. Pour boucher le trou qu'il y a ici. Ici, vous prenez votre laine noire, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous remettez une deuxième couche de 5 blocs de large. Ensuite, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Bref, en gros, vous repassez sur votre, enfin vos escaliers et vos dalles, comme ça. Voilà. Ensuite, des échelles. Avant les boutons, donc alors vous en placez un tout à l'avant du wagon. Vous espacez de 1, vous en remettez un. Vous espacez un de 1, vous rentrez. Bref, vous faites ça jusqu'à l'arrière. Ici j'en ai oublié, mais c'est pas grave. On va juste simplement les rajouter. Quoique... Ah ouais, non, ceux-là, non, il faut pas les rajouter, non. J'ai dit de la merde, pardon. Ensuite, des échelles. Il me semble que j'en avais utilisé dans le coin, oui. Vous rajoutez deux échelles à l'arrière. Ensuite, couche numéro 3. Vous refaites pareil pour le chariot. Hop, comme ça. Enfin, pardon, sauf qu'ici, les trois derniers blocs, enfin sans compter celui-ci, vous les rebouchez comme ceci, hop. Ici, on vient tout reboucher. Non, j'ai cassé un truc. Hop, je me dépêche. C'est pareil que la couche juste en dessous. Tac, tac. Tac, oups, tac, tac, voilà. Attendez, je vais changer de musique. Me revoilà. Donc, alors, du coup, fait chier. En même temps, j'ai cliqué sur le mauvais bouton comme une grosse merde. Donc, hop, tac, hop, voilà, vous n'avez rien vu. Pivote, pivote. Non, t'es dans le mauvais sens là. Et Jacqueline, tu reviens ici. Oh. Comme de par hasard, fallait un moment où est-ce que ça part en couille. Et là, on fait. Pouf. Non. Ah merde. Hop, les voilà. Ensuite, tac, 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 tac. Non, on en était à celle-là, voilà. Donc, ici, vous... Tiens, 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 n'aurais-je pas oublié quelques blocs? Bref. Ici, vous allez faire un carré... Enfin, un rectangle, pardon, de 4 par 5. Ici, vous allez faire un rectangle de 3 de large par 2 de long. Ici, vous allez remplir
tout le long de votre machine jusqu'à cet escalier-ci de blocs noirs. Voilà. Enfin, bloc de laine noire, pardon. Ici, oups, j'oublie de dire. Bref. Ensuite, ici, on remet un bloc de pierre taillée. Ici, on fait ça comme ceci. On rajoute les fers, comme ça. Voilà. Enfin, je sais, ça ressemble pas tellement à des fers, faudrait mettre des cadres, mais bon. Je trouvais que ça allait mieux. Donc, du coup, des escaliers en pierre. C'est parti pour la recherche aux escaliers en pierre. Bon, revoilà. Donc, un escalier en pierre. Enfin, ici, vous pouvez même mettre un full block. Voilà. J'ai cru que c'est quelque chose que je sais pas. Ici, vous allez mettre trois blocs, trois escaliers comme ceci. Un bloc, trois escaliers, deux blocs de laine rouge. Ici, une dalle en position haute. Je vais rapidement faire pareil ici. Hop, j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos. Enfin, de commenter. 4 escaliers ici. Ici, pas ce bloc là, mais ce bloc là, vous allez rajouter un bloc. Voilà. Ensuite, bloc de laine rouge, bah t'es juste là. Hop. Sur ce bloc de laine rouge, vous allez rajouter deux trappes. Voilà. Ici, on va en rajouter 3. 3 ici. Vu comme du coup, je les ai oubliés. Pas malin de ma part. Ensuite, à l'arrière. Ah si, à l'arrière, j'avais quand même mis des boutons. Bizarre. Bref. Du coup, on va rajouter des deux boutons du bas. Ensuite, couche suivante. Donc, alors là, nous allons mettre... Nous allons faire un rectangle, pardon, de 3 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blocs. 17 blocs. Vous allez tout reboucher, car ça sert un petit peu à rien de le laisser vide à l'intérieur. Comme ça, voilà. Ensuite, vous allez mettre une trappe ici au milieu. Non, attendez, j'ai fait de la connerie. Des escaliers, hop. Donc, alors, escalier qu'on va mettre là pour l'instant, temporairement à la place. Donc, les escaliers, vous en mettez deux au bord comme ceci. Et vous faites dépasser le troisième de un bloc. Donc alors, ici, on fait pareil. On fait dépasser de un le troisième escalier. Vous allez rajouter des trappes. Comme ceci. Voilà. Ici, vous allez poser un bouton, vous allez espacer de 1, reposer un bouton. Ici, sur cette dalle en pierre, vous allez poser un bloc de laine noire. Sur ce bloc de laine noire, vous allez y reposer un bouton, voilà. Ensuite, des blocs temporaires comme d'hab. Hop, la trappe qui vont servir. Donc alors, là, vous allez poser... ouais, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portillons. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, ici, vous allez rajouter un autre bloc de laine noire sur lequel vous allez rajouter un bouton. Ici, non, pas ici. Ici, une trappe.
une deuxième trappe ici. Ici, vous allez rajouter deux blocs et espacer d'un, rajouter un bloc. On fait pareil également ici. Donc alors sur le premier, ici un bouton, ici un bouton, un bouton, un bouton. Ensuite, le fameux wagon à l'arrière. Bloc de laine noire, ouais, il manque plus que... Non, zut, ça c'est un fail. Il manque plus que les dalles en pierre. Non, toi tu viens là. Donc, alors, sur les bords, vous allez rajouter un bloc de... un escalier en pierre, pardon. Ensuite, vous allez rajouter une dalle en pierre. Et vous allez alterner sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Ensuite, vous allez terminer avec des trappes. Pas des trappes, mais des dalles. Ici, on va faire pareil sur 3 de large. Comme ceci. Hop. Tac, 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 tac. Ici, on recouvre de trappes, de dalles, pardon. Ensuite, ici, on termine avec des blocs de laine noire, je précise. Ensuite, cinquième couche. Donc, vous allez rajouter deux blocs juste là. Deux comme ceci. Voilà. Deux escaliers, pardon, comme ceci. Ici, on recouvre. Ensuite, on met 1, 2, 3. 3 blocs de laine noire. Ici, on refait un rectangle de 2 par 3. Ici, on replace 3 blocs. On refait la même opération. Et enfin, on met 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Comme ceci. 3 blocs sur vos escaliers inversés. Ensuite, vous allez mettre entre... ici, ici et ici, vous allez mettre des escaliers en pierre. Et le dernier, vous allez l'orienter comme ceci. Hop. Voilà. Ici, vous allez poser une dalle. Ici aussi, voilà, comme ça. Et ici, des boutons. Hop. Ici vous espacez d'un, vous rajoutez un bouton. Ici vous mettez des boutons. Ici vous mettez une dalle en pierre. Hop. Comme ceci. Ici on rajoute une couche de blocs de laine noire. Ici, au-dessus de vos escaliers en pierre, vous rajoutez des trappes. Et voilà, attendez. Il manque quelques blocs. Et ici, vous allez rajouter quelque chose pour faire votre charbon. Donc alors, moi j'utilise de l'obsidienne. Mais bon, parce que le bloc de charbon, voilà quoi, il ressemble pas trop à du charbon. Plutôt de la merde en boîte, mais ça il faut rien dire. Donc alors, ce n'est pas encore fini. Sixième couche, on va terminer la locomotive. Donc alors on va repartir de l'avant. Vous allez mettre 1, 2, 3 escaliers sur les côtés, comme ceci. Ensuite, sur ces fameux escaliers, vous allez rajouter 3 trappes, comme ça. Un bouton juste ici. Vous allez espacer de 1, vous allez rajouter un bloc. Vous allez mettre 2 boutons derrière. Vous allez rajouter 2 blocs de laine noire. Vous allez rajouter un bouton. Vous allez rajouter une dalle, un bouton. Encore de la laine noire. 2 boutons. Un pot de fleurs, tiens. Tiens, tiens, tiens.
Hop. Vous allez rajouter deux trappes. Et enfin, nous allons nous attaquer à... Enfin, au toit ici. Par contre, je vois rien. Hop. Donc alors... Sur l'escalier, bien sûr, j'ai pas la dalle. Si vous avez posé une dalle comme ceci. Ensuite, vous allez mettre... En allant vers le wagon, 4 escaliers, comme ça. Ici, sur la largeur, vous allez mettre entre vos deux dalles 3 escaliers. Ici, hop, là, ça se referme normalement comme ceci, voilà. Et ensuite, on termine le tout avec des... dalle. Voilà. Donc ici, deux escaliers, pareil de l'autre côté. Ensuite, dernière couche. Vous allez rajouter, enfin là, pour celle-là, il vous faut des trappes en fer et des dalles. Et des plaques de pression en pierre. Donc, alors, sur ces fameux blocs-là, vous allez rajouter 4. Enfin, en tout, ça va vous donner 4 plaques de pression en pierre. Ici, pas ce bloc-là. Enfin, d'ailleurs, le tout premier bloc. Ici, vous rajoutez un... Zut, pas... Une trappe en fer, pardon. Derrière, vous rajoutez des dalles en pierre, des trappes en fer et des dalles en pierre. Donc, excusez-moi si j'ai mal expliqué, mais en même temps, il est je sais pas quelle heure du soir et je suis complètement explosé. Donc, du coup, c'est la fin de ce tuto, les amis. J'espère que ça vous a plu. Donc, alors, n'hésitez pas... N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, commenter et lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord à moi et à Spino. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bye.